Coucou les amis, comment ça va? Comment ça va bien? Bon, j'ai laissé le ventilateur, il fait trop chaud. Là, c'est donc, je suis habillée, maquillée, bijoutée pareil que la précédente vidéo. Parce que j'en ai trop à tourner, je suis en retard. Donc là, on repart. Comme si on était un autre jour. Hein. On va parler premier fini. Nous, voilà parti. On va commencer par des choses en vrac, comme d'hab. Alors ça, je l'ai mis, parce que vous saurez pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Une bombe. Un effet barrière catch expert contre les rampants. Parce que moi, pour ouvrir mes fenêtres, il faut absolument que je mette des lentilles. Des lentilles araignées. Et a priori, ça marche pas mal. En tout cas, je m'illusionne peut-être, mais bon. Alors je sais, c'est nocif pour la santé, mais c'est bon pour ma tranquillité d'esprit. Donc rachèterai, oui. Celui-ci est vraiment très bien. Donc je vais garder pour qu'on rachète les chéris. C'est dans la poubelle de chambre parce que c'est là où j'utilise le plus. Ensuite, un shampoing doux à l'abri au concombre qui hydrate et rafraîchit sans silicone de chez Dope. Très bien, très bon shampoing. Rachèterai, oui, c'est pas celui que j'ai en ce moment, mais j'en ai un très bien. J'ai oublié le nom, c'est Garnier, je crois. Mais celui-ci, oui, au concombre, en plus, c'est vrai que c'est super frais. Donc, oui, rachèterai à l'occasion, oui. Je vais pas aller courir, je vais les jeter, non. Ensuite, on va passer encore un autre. Non, pas du tout, c'est pas un shampoing, ça, c'est rien. Vous l'avez déjà présenté une fois. Désolé, tout comme on sait. C'est Trésor Hydroriente, crème douche. Muscle. Les filles qui arrivent de muscle. Muscle blanc. Puis moi, j'ai. Parce que j'ai caché en bouche, mais je sais pas dedans. Vous savez, c'est ceux qui sont très très jolis avec une petite. Un petit lien magnifique, sans être super pour oui. J'en ai déjà utilisé un d'une autre odeur. Oui, rachèterai l'occasion. C'est pas ce que j'ai en ce moment. Je l'utilise un truc basique, mais qui mousse pareil. Moi, j'aime quand la douche, ça mousse. En l'occurrence, il est dans des choux là. On met les presse bon derrière. Ça, mais alors ça, j'y reviendrai toujours. Voilà la luminosité. Vous le connaissez par cœur, c'est. Le gel crème hydratant jour et nuit au concombre de la marque La Rosée. Je vous l'ai déjà conseillé. À chaque produit fini, il est génial. Et là, mis au frigo, quand vous mettez votre peau, c'est tenseur et c'est hyper rafraîchissant. Rachèterai, oui, avec plaisir. C'est mon portable, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bon, on va passer au truc intéressant. L'auto-bronzant. Moi, j'entretiens mon petit bronzage que j'ai vu avec de l'auto-bronzant et je trouve, excusez-moi, là, attendez, on va mettre les choses quand même avec correction et dignité. Donc, j'utilise celui-ci que j'aime beaucoup. C'est le Sublime Bronze, vous ne devez pas m'entendre, hein. Le Sublime Bronze chez L'Oréal, le sérum fabuleux auto-bronzant, effet retour de vacances. C'est un gel très agréable. Moi, je mets au frigo avant de le mettre. Mon frigo, il y a presque plus de trucs de soins que de bouffe. Surtout là, fin du mois, là, il n'y a plus rien à manger. Et bien, moi, je suis, de toute façon, il fait chaud, je mets le temps. Donc, on ne mange pas. Voilà. Donc, ça, oui, déjà acheté. C'est mon préféré. C'est pas mon préféré. Enfin, c'est peut-être celui-ci, mon préféré. Je vous ai déjà présenté mon dernier. Mon dernier pour le terminer. C'est de Yves Rocher, le solaire peau parfaite, auto-bronzant. Il est vraiment bien. Il fait peut-être. Et moins facile à appliquer que le L'Oréal. Mais, comme j'ai une carte et qu'il faut que j'aille chez Yves Rocher, j'ai une carte comme tout le monde, vous savez, carte là, tous les mois, vous recevez des trucs, et j'ai un cadeau parce que j'ai plus de 1000 et quelques abonnés, j'allais dire. Non, malheureusement, j'ai plus de 1000 points, je sais pas quoi, donc j'ai un cadeau, je vais aller chercher. Bon, un cadeau est un cadeau. Bon, si c'est de la merde, je la laisserai. D'habitude, je prends un parfum. Là, des parfums, et je suis vraiment grâce, j'ai des parfums nus qui vont bien. Je sais pas, je vais réessayer un truc intéressant. Donc je les reprendrai. Là, il y en a deux pour 12 euros, pourquoi pas. Celui-ci, ça fait de nombreuses années que je l'utilise et je l'adore. C'est un lait corps nourrissant effet soleil. Nourri intensément, hâle dorée naturelle et progressif, irise et satine la peau. C'est vrai. Il vous donne de jour en jour un teint hâlé. Il est à base d'huile d'abricot et de karité. Il y a des micro-nacres, c'est vrai que ça fait une très jolie peau. Mais je vais le garder, d'habitude je l'ouvre et je dis, je vais faire un, je ne sais pas comment ça se fait que je n'ai pas fait.
Moi, je prends celui, il y en a deux sortes. Moi, je prends celui pour pommade. La peau claire ou pommade. Il faut prendre pommade si vous voulez un petit résultat auto-bronzant. Voilà. Ensuite, je me dépêche, c'est tout ce qui va se lever. Je vais prendre les trucs intéressants, le reste, on s'en tapera pour qu'il y a. Bon, c'est intéressant. Donc, comme d'habitude, bon, là, c'est un Mavala, c'est tout ce que j'ai sous la main. Dissolvant. Moi, je prends toujours dissolvant avec acétone. Sans acétone, il faut passer 3 heures en des vernis, je n'aime pas. Moi, c'est du vernis traditionnel hein, que je mets moi-même, donc bon, qui n'est pas toujours formidablement mis, vu que cette main ne marche pas très bien. Je peux demander à Chérie de le faire, mais j'aime pas quand c'est Chérie. J'adore me faire les ongles. Là, oui, je sais, ça vous fait rien pour les faire de mes côtés. Bah, écoute, on montre ce qu'on a à montrer. Hein. Donc, oui, je rachèterai à l'occasion, j'en ai un autre, mais bon. Satana, putain, antifrise. Celui-là, un autre. Pour moi, c'est la même chose. De toute façon, ça m'empêche pas d'avoir mal aux dents. De toute façon, une fois qu'il m'a défait. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? Un gel de douche, j'ai envie de voir ça dans le magazine. Un gel de douche Véleda rose musqué. Je n'avais pas aimé. Mousse pas. Non, je ne rachèterai pas en vrai. Non, ça c'est sûr. Ratage. Okay. Pourquoi il y a la poubelle, tout là? Il n'est pas vide. Ah si, il est vide, mais on ne voit pas. On ne comprend pas bien pourquoi il y a la poubelle, lui. On n'en parle donc pas. Je ne sais pas pourquoi il y a la poubelle, on le sait. Malheureusement, je jette un vernis ici, qui est, regardez, tout pourri, tout décomposé. Donc je jette, c'est un cadeau. Rachèterai ici, je les trouve cher, les vernis ici. Alors, je trouve qu'un vernis au-delà de 5 euros, c'est trop cher. Enfin, encore 5 euros, c'est un maximum pour moi. En plus, la couleur, en tout cas. Bon, je jette un top coat. Bah voilà, parce que comme d'habitude, on n'arrive jamais à la fin. Moi, j'arrive jamais à la fin de mes top coats. Il y en reste beaucoup. Alors, bah voilà, c'est pas cher, hein, quand même, quoi. La moitié, ça fait cher pour une moitié. Donc, je jette quand ça fait des fils. C'est inutile. Ah, alors, attendez, il me reste deux trucs, le reste, on s'en fout. Le reste, c'est le produit fini que j'ai confondu avec la poubelle. Le sac, je suis confondu avec le sac poubelle. Bon, je jette un bain dissolvant. Yves Rocher, vous savez les bains de savon, j'aime bien, j'aime beaucoup, je rachèterai Yves Rocher, pas particulièrement, j'en ai un autre que je ne sais pas d'où. Oui, j'aime beaucoup, c'est très rapide. Bon, ça ne dure pas très longtemps parce que... Et puis pour ce truc, j'ai tout essayé. C'est-à-dire, je vide, il reste dedans, ça, il reste toujours un résidu rouge, si vous mettez du rouge ou vert, si vous trouvez teint, c'est le vert. J'ai essayé de vider et de le remplacer par dedans, mettre du... dissolvant ordinaire, ça marche pas, pourquoi? Là-dedans, il doit se rajouter quelque chose. À mon avis, il y a plus d'acétone là-dedans, dans les bains, que dans les dissolvants en bouteille. Dites-moi votre avis. I think that is that. Je jette. Ça fait the parce que je vais dire the. Je jette. Un mascara taille voyage, taille... échantillon, non, taille voyage, de Too Faced, Better Than Sex. I don't know, but I don't think. Je jette parce qu'il est violet, donc j'aime pas. Enfin, il est même mauve, il fait rien du tout celui-ci. Il n'y a rien, il faut aucune couleur, aucun rien. Donc je jette. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que c'est fini pour les produits. Je crois que c'est fini pour les produits finis. Putain, mais voir. C'est quoi ça? Et si je l'ai gardé une petite taille comme ça, je l'avais emmené en vacances. J'adore garder ces petites choses, vous savez. Enfin, en général, je les garde pour les déplacements. Les déplacements pour les vacances. Bon, des fois, quand je suis en rade de quelque chose, je tombe dedans, bien sûr. Là, j'ai emporté en voyance. C'est un masque de nuit merveilleux de chez Sanoflore. J'adore les masques de nuit, moi. J'adore me tartiner la figure après avoir pris ma douche ce soir et les maquiller. Je mets le masque de nuit, ça me sert donc de soin du soir. Et en général, le lendemain matin, ma peau a tout absorbé, voire même avant d'aller me coucher, puisque je le mets aux environ 8h du soir, disons, grosso merdo. Hein. Ça, j'ai beaucoup aimé, sauf que l'odeur. Je ne suis pas fan des produits Sanoflore à cause de l'odeur.
Donc, rachèterai pas celui-ci, mais masque de nuit, oui. Bien que le masque, j'ai en ce moment, je ne sais plus ce que c'est qui s'en sert, pour moi qu'il dure, c'est un masque normal, je l'emploie en masque de nuit. Ben, ça marche super bien. Alors, c'est vrai que ça fait très blanc au début, et puis, comme un masque, et puis au cours, au fur et à mesure de la soirée, il pénètre, et quand je vais me coucher, il n'y a plus rien. Ça veut dire que ma peau avait besoin, et donc ça, j'adore. Parce que c'est très efficace, et le matin, ma peau est bien rebondie. Bon, pulpée, elle est déjà comme ça, mais ma peau est plus tendue, voyez-vous, et repulpée. Bon, j'arrête là, c'est trop tard. C'est pour ça. Mettre tout ça dans la poubelle. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt. Salut les doudous!